Bonjour à toutes et à tous. Je suis en train de jouer à NHL. Vous pouvez le voir, je suis Canada contre l'Allemagne. Je m'y connais vraiment rien à NHL 12. Donc, c'est pour ça que je suis pas très bon. C'est ma toute première partie, à part le didacticiel, mais sinon c'est celle-là, la première des parties. Je sais même pas si ça se dit, mais bon. Le match va commencer. Le match vient de commencer. À ce qui paraît, Sony va faire à peu près comme la Kinect sur la Xbox. Il va faire une concurrence. Un tiers de l'Allemagne. Je tire, ça rate. Le gardien la prend, une mise en jeu. La mise en jeu que les Allemands ont gagné. Les Allemands tirent. On tire raté. Ils tirent. Dans ce jeu, tout est permis. On peut pousser les gens contre un mur, on peut les mettre par terre, on peut les frapper, il y aura juste 5 minutes de pénalité si on les frappe. Un tir, raté, ça touche le poteau, mais ça n'entre pas. Il fait une passe. Je le commente à la troisième personne du singulier, si jamais. Donc je vais arrêter de dire je. Il est bloqué, regardez, il l'a poussé, tout est permis. Enfin, presque. Il court, il patine, il tire, il charge, enfin vous voyez, il tire, une mise en jeu. Je ne comprends pas vraiment les règles de la mise en jeu. Il l'a poussé. Enfin, je sais pas si ça se dit poussé. L'entraîneur parle à ses joueurs. L'entraîneur allemand. Une mise en jeu. Gagné par les Canadiens. Il tire. Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai rien compris. Non, un tir raté. Enfin. Au gardien. Le gardien fait une passe. Il fait une passe. Il avance, il tire. Je dis il parce que je connais pas les prénoms.
c'est une mise en jeu. Par exemple, il l'a chargé et il l'a poussé contre un mur, là ça ne compte pas comme une faute. Mais une mise en jeu, je sais même pas ce que c'est en fait. La première période vient de se terminer. Enfin, toujours pas. Mais elle va se terminer après la mise en jeu. Je tire, il tire, c'était un but, mais comme il y a déjà eu la faute, la mise en jeu, donc ce but ne compte pas. C'est la fin de la première période. Passons à la deuxième. La caméra filme le gardien et ensuite les Allemands. Le tour fort où je pousse un Allemand. Là, c'est l'Allemand qui le pousse. Un tir intercepté par le gardien. Il pousse encore. Un match très serré. 1-0-0 toujours. L'Allemagne qui est une équipe moyenne et puis le Canada une très bonne équipe. Mais la meilleure dans le jeu c'est les États-Unis. Je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas ils ont 100 partout, c'est une équipe cheatée. Dans ce jeu, il y a même le Japon. C'est un peu bizarre de mettre le Japon. Ok, c'est même... C'est pas un bon sport pour eux. L'Allemand fait... Il veut dégager la balle. Le Canadien, il l'intercepte. Il fait une passe, il tire. L'Allemagne qui a le puck. J'ai failli dire la balle, mais c'est le puck. Il tire. Raté, c'est même pas cadré, mais c'est un peu dur de cadrer. Des fois, on voit un casque par terre. Ouh. Il y a beaucoup de charges. Le numéro 22. Il tire. Le gardien repousse. Ça devient n'importe quoi. Il tire et c'est le goal. Le numéro 22 a marqué le goal. Numéro 22. Il recule et il tire. On lucarne. Si je peux dire. On voit le casque. Qui est tombé à droite à présent. 87 contre le 27. Le numéro 20 passe au numéro 18. Il tire, c'est raté. Le numéro 87, c'est raté toujours. Les Allemands ont contre-attaque. Il est coincé, il le pousse, le numéro 61. Il prend même pas le puck, il cherchait juste à le blesser, je pense. Le numéro 87, contre-attaque. Ah non, c'est une mauvaise passe. Est-ce qu'il l'a récupéré? Non, c'est toujours pas, il l'a pas récupéré. Les Allemands ont le puck. Il y a 1-0 pour le Canada. Les Canadiens reprennent la balle, le puck. C'est au gardien. Le gardien fait une passe. Le numéro 20. Non, c'est les Allemands. Oh. C'est le numéro 22 qui a le puck. Le numéro 87. Il tire. Non, c'est même pas cadré. Je sais même pas si c'était une passe ou un tir. Il revient. Non, il a essayé de tirer ou je ne sais quoi. Ah, il reste quelques secondes avant la troisième période. 1-0 pour le Canada. Toujours. Une bonne action, il tire. Non, non, non. La passe saisit la chance, je sais pas ce qu'il y a maintenant. Je ne comprends rien. Ok. Ce joueur, Rick Nash,
le numéro 61 a poussé son adversaire. Fin de la deuxième période. Non, après ceci. Non, c'est la fin. Le Canadien prend le pas qui tire n'importe où. Alors que c'est déjà sifflé. Les temps forts. Il tire et c'est le goal. Le numéro 22 contre le numéro 57. Le 61 contre le 57. Je me demande ce qu'ils ont contre le 57. Ouh, le numéro 10 a traversé l'arbitre. L'arbitre n'est pas très bien fait. Mais en tout cas, les joueurs sont bien faits. Les collisions surtout. 1-0 pour le Canada. Nous voyons les Allemands. Bon, ici, la caméra décide de filmer les remplaçants allemands. Le 7, le 62. Et je vois pas l'autre. Le 51 contre le 67. Les deux capitaines. Il se prépare à tirer. Il tire. Non. Il prépare le gardien. Les Allemands contre-attaquent. Non, c'est raté. Le numéro 20 fait une passe. Au numéro 87, le capitaine, je pense. Je ne suis pas très sûr parce que je n'y connais toujours rien. Les Allemands. Oh, il est tout frais. Interception du gardien, il la repousse. Les Canadiens avancent. Contre-attaque, le 61, il tire. C'était pas cadré du tout. Le 21, je pense. J'ai pas vu le nom. Ah, il a perdu sa canne. Il a perdu sa canne. Les joueurs peuvent perdre leur canne dans ce jeu. Ça, c'est cool. Une canne par terre. Ou qu'il l'a fait trébucher. Il a perdu le puck à cause de ça. Repoussé par le gardien. Il fait la passe. Il se prépare à tirer. Non, non. Le Canadien ont contre-attaqué. Une contre-attaque ratée. Ou une passe lobée pour un Allemand à faire un autre Allemand. Je ne connais pas les joueurs, bien sûr. C'est la première fois que je joue en NHL. Il tire. Non. C'était une passe, peut-être. Je n'en sais rien. Ouh là là. Une méchante charge. Oh, une mauvaise passe! Il l'a raté en plus! Il devait être trop stressé, bien sûr, pour rater ça. Les Allemands, le puck. Il tire, raté. Il reste 4 minutes, enfin. Raté. Le gardien l'a interprété, il passe. À son coéquipier le 61. Oui, il y a une faute. Ouh là là. On dirait presque une bagarre. Nous sommes à la troisième période où le Canadien l'intercepte. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, il a fait le mauvais choix. Le 8 autres cette fois essayer de l'avoir. Oh, il pousse l'avance. Ça ne sert à rien. Il reste plus de temps. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire avec ce peu de temps? Dire. Ça ne sert à rien. Il retire, ça sert à rien toujours. Il tire, non, toujours pas. Ça ne veut toujours pas entrer. Il tire, et oui, c'est le goal, 2-0. À la troisième période. Encore 32 secondes, je pense. 2-0. Pour le Canada. Les Allemands, ils courent. Si les Allemands arrivent à marquer, ça serait magnifique. Et oui, c'est le goal du numéro 10. Le numéro 10
Les spectateurs sont très bien faits, dont NHL 12. Le numéro 10. Il marque un goal. Et c'est le 2-1. Ça ne sert presque à rien. Il faudrait... C'est possible qu'ils réussissent à égaliser, mais je pense pas qu'ils vont égaliser vu le peu de temps qui reste. Mais ils peuvent très bien, si le gardien n'est pas vraiment là. Il tire. Bizarrement, il n'y a personne au goal. J'ai pu voir sortie du gardien local. Alors, 3-1 pour le Canada. Les spectateurs sont vraiment pas contents parce qu'ils sont pour les Allemands. Bizarrement, le gardien, il était sorti, se boire un café, peut-être. On sait rien. Bon, comme c'est bientôt la fin de la vidéo, si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo ou à l'être en favori. Au revoir.